Yo tout le monde, c'est Lunza pour une nouvelle vidéo en compagnie du frérot Mover Gaming et le frérot Louis. On va faire une petite maison qui s'appelle la maison Vatican. Let's fucking go. C'est une maison qui est vieille, mais de plus de 100 ans. Il y a des documents de fous furieux qui datent de 1914, tu vois, de la guerre 40-45. Ouais, allume la lampe. Comme ça, tu peux t'éclairer en permanence pour la caméra. C'est quoi ton escalier, Badjou? Ah, des beaux rois, tu vois. Ça déborde à leur goût. Je marche pas trop vite parce qu'il y a des belles choses aussi ici. Regarde. T'as que des magnifiques. Que des tableaux de malades, regarde, et tout du Vatican et tout. Oh, 11 décembre 1948. Ouais, des joues. Ça fait blinder, ça se voit. Putain, lui est pourri. Là, les cadres religieux et tout. Parce qu'ici, il faut savoir, cette maison, c'était des prêtres. Il y a tout ça partout. Les trucs de Jésus et tout. Bon, c'est tout. Il y a un uniforme, comme dans le temps. Il avait perdu sa moustache comme moi. Ah, c'était beaucoup à la mode. Ah, c'est pour ça que Jean de Renault, à chaque fois, il essaie. Je vais la refaire, ma moustache. Les vieux portraits de l'époque, c'est dingue. Il y a encore un cadre qui s'est raté. T'as vu? Incroyable. Bon, après, si tu veux aller voir des chaises, collection de chaises ici. J'avoue que ici, c'est sacrément. Mais c'est des gens qui gardaient tout, non? Vu le bazar, débarras de fou furé, oui. Et encore, t'es pas prêt pour voir de l'autre côté, il y a des bagnoles qui s'en vendaient depuis plus de 20 ans et tout. C'est dingue. Mais un truc de fou, tous les chaises qu'il y a. Regarde les vieux journaux. Je sais pas de quelle année il est le journal. Ils sont 45 non? Non, au moins ça. Bah, il est écrit non. Garde un coup parce que moi avec mes gants j'ai du mal à prendre le. Il t'en fout en fatiguant, ça marche pas bien. Devoir avoir une date là-dessus. Enfin, là, 27-11-71. T'imagines 1971. 71, ça date. Hein. Là, même des vieilles boîtes, le roi de la Mast. Tu vois. C'est trop flippant cet endroit. C'est déjà mieux. Ça sert à filmer ici. Non. Quoi ça? C'est toute la porcelaine. C'est beaucoup des bibles. Ouais. Ouais, si c'est des bibles. C'est assez croyant beaucoup. Non, ici, là, ça, là, ici, là. Église. Ça, c'est la cathédrale. On voit plus. Là, il, voit. Il est parti. Il est marqué 1881. Ah ouais. Ah ouais, tu vois la moustache. Ah ouais, bah ouais. Tu vois, Chanté Renaud. C'est pour ça qu'il y a toujours une moustache. Hein.
Bon, bah. C'est parce qu'ils étouffent. Moi, de base, j'ai la moustache en crawl, vous le savez bien. je l'ai retiré parce que ça m'avait été. C'est la conférence polonaise, histoire de l'Antiquité. Nouveaux aristocrates, catholicisme libéral, l'esprit du Christ en nous. Ça me fait penser à la religion à Domosco. Oh. Il y a des trucs de Marilyn Monroe. Non, je sais pas qui est ce mot, mais bon. Bon, c'est... Attention pas trop faire dans le carreau. Ah, c'est ici. Et sinon, on aura de la visite. Comme dans les flammes. C'était pas présent, on a visité une petite maison avec deux voitures abandonnées et la police nous a arrêtés parce que des voisins ont appelé la police. La police a bien vu qu'on était des gens qui faisaient de la photographie, qu'on ne cassait rien, on ne volait rien, tu vois. Sérieux, ils sont venus carrément. Ah, c'est par principe, ils ont pas ça. Bravo. Bon, après c'est beau. Il y a même un coffre et tout. Tu peux regarder ici à gauche si tu veux. Et c'est très bien, regarde à toi. Regarde, c'est une machine à écrire, ça. Ouais. Très stylé. Hein. Un plumi. Regarde, il y a même un vieux parapluie de l'époque. Peut-être avoir une mobilette là-bas. Énormément. Marco. Bah si, il est ouvert, mais c'est tous les trucs dedans. Vas-y, viens, ici, descends. On a vu, c'était des squatters, hein. Tout est rempli de tout partout. Ouais. Mais merci beaucoup en tout cas de me faire visiter. Tu vois, moi je fais des photos que des trucs comme ça, tu vois. Attends, je vais retirer là. Voilà. Et quoi, c'est grand l'intérieur au niveau des étages et tout? Ouais, c'est gigantesque. Le plafond, là, il est joli. Ah, il y a un cheminée, là. Il y a déjà plein. Hein? Le cheminée. Il est joli. Ah, sympa. Le vieux cheminée, là. Là-bas. Car il y a encore des vieux livres de l'époque, c'est magnifique. Bien sûr, hein. Il y a des gens qui viennent voler ici. Ah ouais? Ben oui, t'es fou. Ça m'étonne pas que c'est du... Ah ouais, bah on visite des lieux cassés tout partout. Ah ouais, ça, c'est magnifique. Ça c'est super. Les postures anciennes comme ça. Hop.
franchement, il y a des beaux trucs dans l'ancien. Bah ouais, par là où il y a beaucoup de. Il vaut mieux pas habiter par ici, c'est pas bon du tout. C'est... Ouais. Non, c'est pas bon du tout. Et tu sais pas, allez, la personne qui habitait ici. Le policier, j'en ai de ce chien. Il a été. Tu sais. La pollution, pute. Ah, c'est des policiers qui viennent t'embêter. Oui, c'est des sols pas du plan. Bon, au moins, tu vois, t'es tout seul, t'es bien quand même, tu vois. C'est. Et t'as pas l'électricité, t'as rien? Ah bah ça va, c'est déjà ça, heureusement. Bon. Et on s'est visité par là? Non, c'est une salle de bain, c'est venu. Ah ouais, c'est vraiment c'est une. Bien, c'est, bien, c'est vraiment une pièce vide en fait. Non, c'est pas bien, c'est tout. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Bon, on sort. Mm. Bah je sais pas. Moi je pensais. Je pensais, tu sais, qu'on savait visiter en haut, à l'étage, tu vois. Ah bon, ils vont tout démolir. Ils t'ont tout démolé là-haut? Non, ils vont démolir, ils vont tout démolir. C'est bon, arrête. Tu sais. C'est dégueulasse. Et tu sais que là-bas, dans l'hangar d'à côté, il y a des documents qui sont vieux depuis 100 ans. C'est pas ça l'hangar. Bah ici, à côté. Mais oui, c'est des grands compteurs. De ma famille, c'est bon content. Tu... Ah, c'était quelqu'un de ta famille? Non, c'est... Oh, bah merde, alors. C'est fou. C'est fou. C'est pas vous qui avez voulu deux tonner ici? Oh non, absolument pas. Nous, on était venus... Je vais te faire tout la porte. Non, vas-y, je t'en prie. Non, il y a raison, au moins au cas où il y a quelqu'un qui est là, tu vois, il n'y a personne qui se met dans l'écho. C'est tout plus là-bas dans la pièce d'avanceuse. Tu peux avancer dans l'autre là? Ouais. Mais c'est comment ça pour lui? Attention, hein. Oh, ouais, ça. Ah ouais, il faut faire gaffe. Oh là. Je ne sais pas trop, hein. Ça peut se faire des trucs. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète. Putain, il y a même des trucs à vinyle à l'ancien temps. Il a cassé celui-là, pété. Oh, c'est dommage. C'est un truc français. Il y a même un truc à... Ça, c'est pour dire de se chauffer, ça. Et ça fait... Ma gueule, cet homme, il va encore pour être chauffé avec ça. Je sais pas, on a mangé combien... Ça fait combien de temps que t'as la rue sans indiscrétion? Non, 20 ans, 20 ans. Ah ouais, ça fait quand même 20 ans. Mais c'est fou, tous les deux. Non, c'est peut-être la police qui a pris mes deux télés qui fonctionnaient. Oh, c'est dégueulasse, ça. Franchement, de voler des télés, c'est honteux. Franchement, tu vois, c'est ça, tu vois, nous, tu vois, on fait des endroits abandonnés, mais je trouve que de plus en plus, les gens cassent tout et volent, et c'est malheureux, franchement. Et il y a beaucoup d'affaires qui sont à toi, ou... Ouais, franchement, c'est génial. Mmh. Mais il y a plus de beaux tableaux de l'autre côté, je trouve. Mine de rien. C'est sympa. C'est des vieux passeurs. Ouais, bah ouais, je me doute. J'investis si vous avez fait des tableaux. Alors, attention. Mais ça va, t'es pas trop embêté avec les rôles et les souris? Si. Ah ouais? Là, il y a une pièce, mais bon. Mais bon, là, c'est pas trop rentré. Ouais, ça a l'air quand même ancien. Je crois que c'est un peu vélo, ça. Ah ouais. On dirait même une mobilette, tu c'est sais. C'est un mauvais vélo il y a 30 ans, ça. Ah ouais, carrément. Ouais, 20 ans. Putain, c'est fou. C'est fou. Et là, bon enfant, il y a quoi? Il y a un vélo, mais... Bah, garde, tu pourrais dormir ici. Oh punaise, ouais. Mais en plus là t'es bien. Ah c'est vrai que là pour dormir t'es bien. Franchement, je peux prendre des photos des cadres. Ils sont magnifiques. Oups. Ah garde, tu dors ici, garde, t'es bien ici. Non, des fois, je dors ici, oui.
Bah ouais, regarde, t'es bien avec des lits. Il y a des souris. Hein. Ah bah des souris dans les endroits abandonnés, c'est pas étonnant. Hop. Tac. Mais franchement, ça va, t'as quand même, je vais dire, emménagé le truc pour dire que ça soit pas trop en bordel. Franchement, c'est bien. C'est cool. C'est cool. Il n'y a pas des vieux livres de l'époque. Et ce que j'aime bien aussi dans l'endroit, c'est qu'il y a beaucoup de logos royalistes de l'époque. Il y avait des belles photos du Vatican, etc. Regarde, c'est plein de livres. C'est sympa. C'est sympa. Bon. Bah, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Oups. Encore un grenier? Non, j'ai des charpentes quand je suis en temps. Ah ouais, c'est sympa. Il y avait même un document de l'autre côté, tu sais, dans la branche d'à côté, un document qui datait de 1956. Ou 46? Ouais, c'était de la guerre 40-45. Franchement, c'était pas mal. Mais là, t'as. Punaise, la porte là, là, par contre, ça a pris beaucoup cher quand même. Là, c'est. Voilà, c'est pas terrible. Bon, on descend. Mmh. Oula. Ouais, bah, doucement, hein, Lucas. Ah, il faut leur claquer parce que je l'ai mis juste. Je vais éclairer. C'est comment que tu t'appelles? J'ai fini le cours. Tricolo. Tricolo. Pour moi, je peux te donner un prénom, ce serait cool. On va plus te déranger, mon ami. En tout cas. Et ça, c'était quoi ici? C'était des. Il y avait des vieux livres de l'époque aussi dedans? Je sais pas, les hommes étaient, c'était des objets. Alors, c'était des objets, les hommes. C'était des assiettes. Ah ouais. Ah, de la porcelaine de l'époque, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est pas bon non plus d'avoir ça à la maison, c'est. Ouais, bah tu m'étonnes. Le médecin qui fout sur la poubelle, le policier était fou sur le pas. C'est clair, c'est clair. Les infirmiers. Tu peux passer une vieille assiette aussi. C'est bon quand t'as un infirmier qui fout ça dehors. C'est dégueulasse. Il est fermé pour la sentir. Ressortir. Bon, en tout cas, merci. Hein. En tout cas, merci. Et un de ces quatre, je repasserai si tu as besoin d'une petite pièce. Un grand merci à toi. Un grand merci. Prends soin de toi et fais attention à toi. Je peux prendre la bouteille. Bah, je te l'avais laissé pour toi. Non, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est comment que tu t'appelles? Piccolo. Piccolo. Moi, c'est Jonathan ou Mouza, c'est comme tu veux. Non, c'est pas beau, faut que je... Ouais, mais c'est parce qu'elle était tombée. La Piccolo, prends soin de toi et je repasserai un de ces quatre pour savoir comment tu vas. Je dirais c'est Jonathan. Au moins, tu sais c'est qui. Ça va? Prends soin de toi, à bientôt. Il y a des trucs comme ça qui sont démolis, c'est des fermettes. De quoi? Des bouts de fermettes sont démolis. Ah ouais, bah, je m'en doute. Des bouts de trucs. Je m'en doute. Ouais, t'es derrière, t'es plus ouais. Protégé ici derrière, quoi, on va dire. C'est du bazar, regarde. Et ça va en été, t'es pas trop ennuyé avec la végétation? Oui, mais ils ont racheté les lumières, là. Même les voitures, elles sont vieilles de 2001. Les billets. Regarde, ici. Tu vois, 2001. C'est pas mal quand même. Ouais, il y a des gens qui viennent t'arracher tes. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ouais, franchement. Bon. Je sais pas si tu t'en vas. C'est vite qu'on sort ici encore. Prends soin de toi, Piccolo. À la prochaine. Ouais. À la prochaine.
super gentil. C'est triste qu'il y a des gens qui viennent leur défendre. Hein? Bah ouais. Ben voilà. On aura connu cet ermite qui s'appelle Piccolo.